Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé, pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie de l'équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous pas perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. L'autre point dans le journal là, service immigration dans le pays États-Unis mettait ancien sénateur Jean-Charles Moïse dans l'avion pour faire le tourner Haïti jeudi mardi. Ancien parlementaire te saute fait un vigueron en Afrique, elle était débarqué dans l'aéroport international Miami. N'a pas invité au suivre première déclaration leader parti politique Petit Desalines dans le moment il est arrivé dans l'aéroport international Toussaint. L'ouverture. Sénateur Moïse, nous connaissons une tournée en Afrique, donc au ATI aux États-Unis, dis-nous ce qui s'est passé. Son belle tournée, mais fin tournée, le film est une catastrophe. Ça s'est passé. Pendant ma petite que moi de l'argent vient de prendre, il y a la veille. Pendant que je vais demander, dans ma manœuvre, ça me débarque ma douleur. Je ne dis pas que ma douleur. Mais là, je dis non, ça va pas être bon. Ça va être en Afrique. Je me dis comment mal visite Afrique. Quand je dis une femme, je dis que ça me dit avec chaque monde. Je me dis que je suis en Afrique. Je me dis que je parle. C'est là que je me garde. Je me mets dans la salle. Et puis, il y a l'autre monde qui est avec moi. Je cherche autour de moi. Après, je suis allé, je suis allé, je suis allé. Et puis, à soir, je suis allé dans la prison. C'est vrai, je suis allé, je suis frappé. Je suis dit, je suis allé, je suis allé. Et vous avez passé. Donc, ils ont interprété ça qui passe. Pourquoi ils ont interprété? Pourquoi ils ont interprété, non? Mais c'est qu'on a pu comprendre. Oui, ça y a un dirigeant qui fait pour l'instabilité. Mais, d'abord, quand ça réagit, on va me frapper au fond. Comment ça sent? Ça plus force? Oh, je réagit comme ça, je prends coup. Parce que ce sont des décisions nous prenons pour Haïti sortir de là. Et je ne vais pas me dans d'accord, merci. Il y a deux camarades de la presse. Nous voulons parler de Wilgens avec Amadi. Que bandits sans foi ni loi, nèg qui gen gros âme nan men yo assassiné. Nous-mêmes, au niveau collectif Reporter Plus, nous disons n'a prend courage nous à deux bois pour nous venir porter plainte, pour nous venir dénoncer ça qui passé là, en façon pour la justice capable de trancher dans quatre dossiers ça. Et nous remercier M. Caleb Jean-Baptiste qui t'a décidé d'accompagner nous jeudi là. Il est arrivé dans le bureau commissaire gouvernement Port-au-Prince, M. Jacques Lafontaine, lui voyer dossier dans le cabinet de soutien. Et nous avons dit haut et fort, dossier de journalistes, c'est le dernier goût de l'eau qui a renversé vase là, puisque nous autres comme journalistes, nous ne sommes pas d'accord dans le 21e siècle. Pour les qui ont des âmes dans les gens, qui ont fait politique, etc., comprennent que nous avons guéri Bosco sous nous-mêmes la presse. C'est nous qui avons assassiné, c'est nous qui avons nous dit coup ça, c'est le dernier coup que nous avons pris et nous ne pas prendre l'autre coup encore. Et ça que fait. Avec dossier ça, nous entendons aller jusqu'au bout pour que deux confrères occasionnent une justice. Yo fait li en vertu des articles 37 code de destruction criminelle là. Parce qu'on comprend que laisser la loi faut dire qui est-ce qui doit faire ça. Parce que le fait qu'on pas maman, papa, papa, frère ou pas, seul un crime commettre, est-ce qu'on a voté plainte? Eh bien, ou qu'a dénonciateur. L'article 37 code de destruction criminelle là, il est clair. Eh bien, sous base ça, des potes ça yo qui a dirigé deux gros associations médias et journalistes pays a eu voté plainte. Et nous comptons, commissaire Jacques Lafontaine, pas de printemps pour te réagir. Premier ministre Ariel Henry fait connaître, c'est dans dialogue entente avec unité et à privé résoudre crise politique. D'après chef gouvernement, pas gain aucune formule qui existait pour mettre un président censé par élection qui organisait dans le pays. Accord 11 septembre 2021, ouvert route pour gain élection, c'est sous ça les 10 gouvernements à travail. Et puis, en 27 février, conseil électoral provisoire, toute assemblée constituante, là, t'as dû monter pour voir qu'il a à Goumen pour établir sécurité jusqu'à ce que l'élection soit organisée, toujours d'après déclaration chef primatia. Un côté.
Moi, je crois profondément au dialogue et je crois profondément que le dialogue a arrivé à résoudre en pile bagaille. Une nation divisée, une nation déchirée, des gens campant sur des positions très contradictoires et très. Et les lignes ne bougeaient pas. Et j'ai compris qu'il fallait consulter. Et j'ai pris mon bâton de pèlerin, j'ai rencontré les secteurs, j'ai rencontré les gens. Et au bout de ces consultations, nous sommes parvenus à un accord. Un accord où la majorité des partis politiques haïtiens, la majorité de ceux qui animent la vie politique haïtienne, le secteur des affaires, la société civile, a fait un accord pour essentiellement baliser le chemin à la reprise en main des affaires de l'État par des élus qui deviendraient des élus au niveau de la présidence, du Parlement et des collectivités territoriales où il y avait un vacuum. Il nous faut retourner à un fonctionnement normal des institutions. Il nous faut retourner à un fonctionnement normal de la démocratie. Ce n'est pas normal. Nous ayons un Parlement qui soit réduit à 10 membres. Et parce qu'ils sont 10 membres, ils n'ont pas la capacité de faire des lois. Et nous devons le plus rapidement possible arriver à une normalité institutionnelle. C'est évident que des élections ne peuvent pas se faire sans un minimum d'accord. C'est évident que les élections ne peuvent pas se faire sans un minimum de stabilité au point de vue sécuritaire. Et c'est pour cela que nous nous sommes attelés. La situation sécuritaire s'est améliorée, mais elle est très loin de celle de ce que ça devrait être. Nous y attelons et nous y attelons rapidement pour que des élus puissent reprendre les destinées de ce pays. Que nous arrêtions de nous déchirer, que nous arrêtions en fait de spéculer sur une prolongation d'une crise, qui n'arrange personne, une crise qui est aussi une crise économique, parce qu'il y a un grand problème économique dans ce pays. Je voudrais dire que je saisis cette occasion pour exhorter tous ceux qui ont des responsabilités dans l'État à se joindre ensemble, pour qu'ensemble nous allions le plus rapidement vers des élections. Il n'est pas bon pour l'État. Il n'est pas bon que des gens, des Haïtiens, des frères, essayent de trouver des manières biaisées pour mettre un président de la République. Ce n'est pas normal. Il n'y a pas de formule actuellement pour mettre un président de la République en position si ce n'est que par le vote de la majorité du peuple haïtien. Sous demande de commission politique Sénat République, là, il y a une séance de travail organisée à Premier ministre Ariel Henry, mardi 25 janvier 2022. Plusieurs points et dans mi-temps échangés parmi eux, comment éviter pays à tomber dans plus crise après 7 février 2022. Président commission politique Sénat, sénateur Pierre-Paul Patrice Dumont, a bail plus de détails dans mi-côté et dans Chan Koutel. Force Vivio, yo entré dans la logique de mettre tête ensemble non, pour ce pas seulement Sénat qui joue le rôle facilitateur, il y a une légitimité pour ça, mais tout pourquoi l'église protestante, pourquoi l'église catholique, ensemble avec le Sénat, nous croyons, nous n'avons pas besoin d'étrangers pour nous mener pays nous vers esprit constitution 1987. Et c'est peut-être ça, docteur Henry. Ce n'est pas forcément intérêt, mais nous croyons que l'ITT, dans le même moment que tout Haïtien qui remet Haïti, pour l'inviter les accords
à faire un accord pour donc nous arriver à l'accord des accords. Nous insister sur prononciation, hein? Nous pas dit pour accord faire des accords, c'est bien pour accord yo, pour accord yo. Les accords fait un accord. Et dans ça, qui est-ce qui a osé dire que l'illustrissime docteur Henri Paladin, je ne pense qu'il puisse y avoir un seul haïtien à pouvoir soutenir une telle idée. La plus grande invention de l'homme, c'est l'organisation sociale. Et c'est à cela que nous-mêmes sénateurs, docteur et ses collaborateurs, les accords politiques qui ont été signés par les forces vives de la nation et le peuple haïtien, c'est à cela donc, à notre organisation sociale, avec un président, avec premier ministre, mais avec une transition qui gagnait une mission de la part de son peuple, la nation, pour nous capables de remettre nous sous rail démocratique là tout. L'autre information dans le journal là, économiste Kessner Farel, quoi situation capable de venir mal dans le pays, là, si classe politique là, pas joindre une entente pour permettre bon gens élection dans l'idée pour gagner stabilité. Économiste lundi, acteur doit changer comportement et puis entendre pour retirer le pays dans sa liée journée jodia. Ensuite. Toute chose étant égale par ailleurs, si que les dirigeants politiques pas capables de joindre une entente pour un accord, pour entrer dans la faire élection, parce que l'année électorale va quand même passer, pas seulement en Haïti, mais les États-Unis vont passer pour hier. Donc, toute chose étant égale par ailleurs, mais même résultat. Mais même à l'âge moins, je suis supposé en vie qu'on a 25 ans. C'est ça que je suis supposé en vie. Oh, me dit, ah, si nous répétons décennies, ça fait commencer là. Vous faites même bagaille que nous avons fait dans la décennie 2010-2020. Si vous pensez que le pays a des problèmes, retenez en 2030 ou alors. Retenez en 2030. Il n'y a pas d'insécurité. Vous conseillez les autres. Ce pays n'est pas vivant. Et c'est ça. Il faut aujourd'hui en penser. Parce qu'on a annoncé des politiciens côté que l'avenir de l'aide. Il y a plus proche. 5 heures là. Qui est proche des bessons. Les gens qui ont 60 aujourd'hui, c'est pour dire, mes amis, regardez, ça va faire pour moi. Si les gens qui ont fait aujourd'hui. Il n'y a pas aucune disposition pour ça, de manière cynique. Regardez le comportement. Et me dit ça. Il me dit, nous pensons que c'est Jovenel qui a un problème. Retenez mieux à tomber. Il n'y a aucun esprit qui a tombé, je ne tombe pas. Même si on a parlé de 7 février 2022. Il me dit, retenez pas mieux encore, nous allons voir l'un qui est à venir. Regardez ce qui passe 7 juillet. Regardez qu'on y a là, de 7 juillet à nos jours, pour que j'aime bon être à fait plus d'accord. Pourquoi me dit Jovenel, il faut le mieux. Il m'a gagné moi je me disais rien. Il me critiquait la façon que M. Tabjé le pays. Mais ce n'est pas parce que vous avez un problème à commun, après c'est individuel. Vous montez sur Aristide, même bagaille. Vous montez sur Matéli, même bagaille. Il dit c'est comme ça que nous faisons politique. C'est dit que c'est pour nous craser mon qui là. Depuis mon parole, c'était les anges. Et depuis là, c'est pour craser la tête. Et voilà les résultats. Scénario. Au fond, scénario supposé que. Dans les prochains jours, là, en 20 février 2022, pour qu'on ait un truc qui fait que tout le monde dit, bon, mes amis, nous ne pouvons pas le pire encore. Il faut commencer politique. Pour nous arranger, pour nous faire une élection, pour nous capables d'avancer à la situation, pour nous capables de retrouver sur la croissance. Mais ça, c'est un scénario plus optimiste. Mais si moi, je suis dans un pays en 1986, je suis étudié, mais si je regarde les académies à nos jours, moi, scénario ça, probabilité c'est 0.00 par contre pas privé à 1. Pour le deuxième scénario, supposez pas aussi rose. Mais nous venons en tête quand même, élection faite, là son deuxième scénario. Qui pas trop optimiste ni pessimiste. Et scénario pessimiste, ça qui probable. On continue la bataille, blablabla, jusqu'à ce que c'est blanc qui vient imposer une solution. Nous patcher.
caoutchoua, c'est bâton l'autre, parce que caoutchoua ça fait abuser. Donc, on va reprendre notre crise là, les gens qui vont gagner le pouvoir, qui vont gagner l'élection, nous allons dire qu'on pas d'accord, les voleurs, ceci, nous commençons avec même rengaine, même parole là. Donc, en ce sens, en 2030, ça a eu les objectifs de développement durable, pas patent, et qu'on va bien plus de monde. La garantie que c'est qu'en 2030, nous avons bien 12 millions de monde, nous avons bien 15 millions, nous avons bien 3 millions de personnes. Et si nous répétons même gens qui ont fait pendant 10 dernières années, donc ce sera vraiment difficile pour vivre l'espace ça au gain de l'Haïti. Parce que prévention, c'est le même qui est le meilleur bagage pour qu'il fait le navire vivre dans le pays côté que le risque sismique là est élevé. Depuis 14 août, eh bien, Grandens vient en première position. Donc un paquet de secours sismiques a fait la zone Grandens, la zone Jérémy, tout côté nord de la presqu'île du Sud, eh bien, si on a un tsunami qui fait, si on a un gros tremblement de terre, la zone ça n'a pas l'affecté. Donc c'est surveillance ça que nous avons fait. Donc étude faille très importante. Donc ça c'est la science pour qui détermine. Maintenant, réduction de vulnérabilité, mettez des panneaux signalétiques pour que nous connaissions qui côté pour faire en cas de tsunami. Faire la population connaît que qui s'acquit au tremblement de terre, qui attitude pour le gain, ça c'est l'école, c'est le ministère de la communication pour faire sensibilisation. Donc, on agit sur vulnérabilité et puis quitter la science lui-même, la science moyen, pour qu'il fasse des études pour déterminer failleux, pour déterminer le type de sol qui gagne, pour qu'il mette des données à disposition de monde qui agit sur vulnérabilité population. Parfait. Mais généralement, on est continué regarder pour Nord, on nous dit qu'il y a une possibilité pour épicentre dans le mais si faille ça entre si un chaleur dégagé et au niveau ça, mais pour Grandens, pas comme tu as parlé de ça. Bon, c'est un constat que nous faisons après 14 août. Mais le fait que nous faisons constat, ça ne va pas enlever la possibilité pour que dans le Grand Nord, l'énergie continue à accumuler. Mm-hmm. Donc, même crainte qu'une des conditions pour le Grand Nord, elle a toujours existé. Okay. Là, après 14 août, nous constatons que y a une accumulation d'épicentes, l'on faille qui est dans la mer, en face Jérémy. Mais face à notre code identifié. Nous avons identifié la partie de la cartographie que nous avons fait. Okay. Donc, sur une nouvelle faille que nous ne connaissons. Et après, d'après mesure que nous faisons, nous voyons qu'il y a un pile épicentre qui a accumulé au cours de Faïsa. Et il y a un pile mon Jérémy qui a pris l'aime qui dit que ça va passer parce que il n'est pas habitué avec tout petit secours. Et bien Jérémy, et que ce soit la nuit ou bien après-midi. Qui a tremblé de temps en temps. De temps en temps, 3.5, 3.6 jusqu'à 4. Donc ça panique la population jusqu'à présent. Et bien, nous avons continué à enregistrer ce secours au nord de Jérémy. Donc qui ça s'est auguré? Est-ce que c'est l'énergie qui l'en faille? Ça a capé dissipé, ou bien encore c'est signe annonciateur de pire secousse. Nous pas connaît. L'autre information, conseil, administration, banque nationale, crédit a rénové site internet. Yoa. Cérémonie, présentation, nouveau site ça, faite mardi 25 janvier 2022, dans présence Premier ministre Ariel Henry. C'était occasion pour responsable dans banque nationale crédit, lancer nouveau cadre débit pour Naples. Président conseil administration BNCA, Raoul Pascal Pierre-Louis, ministre économie et financement, Patrick Boisvert, a dit nous plus. Le canal de crédit possédait déjà sa succursale virtuelle, mais avec des limites. Les clients ont toujours manifesté le désir d'avoir mieux. Un certain retard était constaté en ce sens par rapport aux autres banques concurrentes. Leur désir d'avoir un instrument leur permettant de réaliser électroniquement leurs transactions tout en gagnant en temps et en efficacité était manifeste. L'implication de la banque dans l'interconnectivité du système bancaire réalisé en accord avec la BAH était une nécessité. Aussi, après de longs mois de travail ardu et malgré les difficultés de l'heure, nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui à l'occasion de l'inauguration d'une des phases les plus importantes du processus de numérisation avec de nouvelles formalités, le lancement de sa carte de débit BNC Pro Naples et le déploiement de son vaste réseau d'ATM. Tout cela pour faciliter ses clients et du coup
favoriser l'inclusion financière tamponnée par les autorités économiques. Le lancement aujourd'hui de la carte de débit BNC pour Naples, ainsi que la présentation du site web rénové, incluant de nouvelles fonctionnalités pour mieux répondre aux exigences de la clientèle, constitue une avancée importante, un pas indispensable vers l'inclusion financière dont vient de faire mention encore le président. Désormais, les transactions peuvent être réalisées en temps réel, 24 heures sur 24, en succursale ou à travers les ATM qui seront répartis sur tout le territoire de la République. Lancement site internet rénové à 4 débits pour Naples, c'est un signe qui montre à clair l'effort qu'a fait pour mettre le système bancaire haïtien sous route numérisation, selon le Premier ministre Ariel Henry. Chef gouvernement félicite les responsables dans BNC pour travailler pendant les encourager à continuer mener des marches pour porter plus de services pour la clientèle, la population, bon service sur tout le territoire. Ensuite. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'être aux côtés des membres du conseil d'administration et du personnel de la BNC pour la présentation du site www.bnconly.com. Rénové avec une nouvelle plateforme offrant de nouvelles fonctionnalités et pour le lancement de la carte de débit BNC au Naples. Nous profitons de l'occasion pour présenter nos félicitations à toutes celles et à tous ceux qui ont contribué et qui contribuent encore à faire de la BNC une institution plus moderne et plus performante. L'autre information, docteur Samson Marseille, installé mardi 25 janvier 2021 dans tête direction épidémiologie, laboratoire national à recherche comme nouveau directeur. Ministre Santé publique et population, docteur Alex Larsen, qui a dirigé la cérémonie d'installation, félicité nouveau directeur et puis rappelé les différents défis qu'attend lui. Docteur Alex Larsen souhaitait nouveau directeur de ELR Land continuer même travail qu'il a fait avant. Docteur Samson Marseille, bon côté parle, remercier le gouvernement pour confiance qu'il placé dans lui. Et puis, bah, il garantit la continuer travail dans le même sens avec mon li remplacé. Nouveau responsable a dit souhaitait jouer une collaboration tout acteur dans le système. Nan. En suivant extrait, le micro, Miguel Elias avec Michel Joseph. Docteur Marseille, cher confrère, vous êtes à partir d'aujourd'hui le nouveau titulaire de cette direction, jouant un rôle de premier plan en matière de prévention et de contrôle de maladies. Le choix s'est porté sur vous, non par un heureux hasard ou par complaisance. Je ne vous connaissais pas. Cette lourde tâche, mais plutôt grâce à votre mérite, il vous incombe d'accomplir cette lourde tâche avec professionnalisme, sérieux et dévouement. Votre prédécesseur, le docteur Patrick Dely, durant les années passées comme cadre, puis comme directeur, a servi la patrie avec honneur. Vous n'êtes pas sans savoir que cette direction est hautement stratégique et représente un maillot important dans le système sanitaire du pays. Que cet esprit d'équipe perdure au sein de cette direction. Je sais que vous pouvez compter sur des cadres expérimentés, d'une grande rigueur, très disciplinés et possédant une bonne mémoire administrative du ministère. C'est avec un sentiment d'humilité profonde, d'honneur, de reconnaissance et en toute connaissance de cause que j'ai accepté le rôle de directeur de la DLR, une des plus importantes et prestigieuse direction du MSPP. C'est avec un immense plaisir, mélangé d'un désir inconditionnel, de continuer mon métier de médecin épidémiologiste, que je prends le ferme engagement de diriger et d'administrer cette direction avec compétence, sérieux, intégrité, équité et empathie envers tous mes concitoyens.
Je voudrais avant tout, Monsieur le ministre, notre aîné, Docteur Alex Larsen, mes sincères remerciements d'avoir fait choix de moi pour occuper cette haute fonction dans ce contexte particulier qui rend la tâche certainement plus difficile, voire compliquée. Mais je saurai me mettre à la hauteur. Je suis donc très honoré, Monsieur le ministre, que vous ayez fait le déplacement pour procéder à mon installation. Je mesure à sa juste valeur l'ampleur de ce geste et prends très au sérieux les responsabilités que vous me confiez. Je tâcherai de travailler fort pour ne pas vous décevoir. Je voudrais aussi remercier le docteur Laurent Adrien, directeur général du ministère, fin technicien, avec qui j'ai travaillé ardemment dans la lutte contre la pandémie de la COVID-19 et qui, par sa présence, m'apporte son soutien dans cette grande responsabilité. Monsieur le directeur général, merci pour votre soutien et votre collaboration. J'en aurai encore besoin. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier de vous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petite cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.